Mais Sakura, c'est Rosalys. Salut! Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Animal Crossing New Horizons. Si vous avez manqué une bonne astuce ou un moment fort de ce let's play, je vous mets ma playlist Animal Crossing dans une fiche dans le petit i ainsi que dans la barre de description. Dans la barre de description, il y a aussi mon code pour pouvoir visiter mon île en rêve. D'ailleurs, je visite l'île de mes abonnés, alors abonnez-vous à ma chaîne. Pour savoir comment faire pour que YouTube vous attribue le badge d'abonné public et que du coup je puisse visiter votre île, vous avez le lien vers ma vidéo qui explique tout dans la description. Et c'est parti pour un épisode où je visite vos îles oniriques. À vrai dire, j'essaie de retrouver mon chemin depuis le précédent épisode « Je visite vos îles en rêve ». Et je suis encore époustouflée par cette île. Ah, waouh! Ah d'accord, c'est ici l'entrée. Attends, c'est vraiment trop génial. Je suis trop épatée par l'île que je visite. Ça saccade. Alors, c'est bon. Je pense savoir où je suis. Je retrouve mon chemin. Et je vais commencer par visiter une première île. Attends, non, en vrai, je suis complètement perdue. Mais c'est génial. Ah, ça y est, c'est bon. J'ai retrouvé. C'est parti au dodo! Peux-tu dormir un peu? Ça me fera pas de mal. Donc j'ai collecté vos codes oniriques que vous m'avez mis en commentaire. Ne vous en faites pas, je prends tout par ordre d'arrivée. Tout le monde va y passer. Je veux rêver. C'est parti, première île, Lorenzop. On est en plein jour. Ah, là aussi, il y a une clôture château. Non, ouvrez les yeux. C'est parti. Alors, petit tour sur la carte. Alexandra est là-haut. Il y a Cookie, Hector, La Flèche, Graham, Kolala, Rhino, Condor, Karen, Violette et Tarina. Ok. Alors, tiens, on va prendre le petit chemin. Qui est-ce? Chez Rhino. Oh, bon, bah, on va explorer. Toc, toc, toc. J'ai l'impression qu'on est sur une île. Oh! C'est sportif ici. J'aime bien. Oh! Sauf que là, avec le... Comment dire? Oh! Ça, tu peux pas faire les tractions. Un peu de prot. Le canapé... Années 50, en noir et blanc. Allez, on va lui parler. Tiens donc, grand une rêve en vadrouille, si je m'abuse, je suis sérieux ou quoi, ça parlote? Ok, bye bye. On va explorer l'île plus en détail. Tiens. Voici un petit pont. Clôture chinoise. Ici, séché. La flèche. Oh, attends, on va voir. Vu qu'il a l'air d'être un peu un cyborg, je me demande un peu quelle va être sa déco d'intérieur. Oh! Ok, on est sur des fiches. Mince, comment on appelle ça déjà? J'ai fait ça quand j'étais au collège en techno. C'est des, voilà, des circuits imprimés. Fais comme chez toi surtout, dans ton rêve. En fait, tu devrais me dire, fais comme dans mon rêve. Est-ce que vous faites ça encore à l'école? Tu sais, tu prends de l'étain et tu le fonds, tu fais fondre pour relier les trucs à l'autre. Bon, non, je pense qu'on n'étudie plus ça, non, hein, de nos jours. Bon, j'en sais rien, vous allez me dire en commentaire. Alors, continue d'explorer. Enfin, au moins ça lague pas là. Oh, c'est marrant, c'est quoi? C'est des mauvaises herbes qui ont cette forme là. Oh, c'est marrant. Il y a grave. Ah, je crois que je peux pas y aller. Je vais faire tout le tour.
Ok, on va passer par là. Ici, c'est chez Karen. On va visiter. Oh, mais je crois que cette déco, ça doit être une déco de base pour les premiers habitants. Hein. Parce que moi, chez Tigris, c'était comme ça. Dans mes précédentes vidéos, je visite vos îles. Il y a certains qui avaient exactement cette déco, mais pas avec ce personnage. Donc ouais, ça doit être dans les trois premiers, quoi. C'est marrant, elle a une tenue pastèque. Karen. Hé, hey, bienvenue chez WAM. Moi, maintenant, j'ai plus aucun personnage qui a cette déco parce que je pense que, à force de changer de résidence sur mon île, les trois premiers que j'ai eus, en fait, sont partis vers d'autres horizons. Godzilla rouge. J'avais jamais fait attention derrière que sa queue était en... en tire-bouchon, j'ai envie de dire. Comme un cochon, en boucle. Les cadeaux par terre. Oh, tu dois bien voir dans le noir. Ok. Oh, je pense qu'on a un peu fait le tour. Une partie en construction. On va peut-être juste essayer de voir chez la personne. Il me semble qu'elle était par là. Alexandra. Attends. Pourquoi est-ce que je l'ai pas vu? Ah! J'ai vu une rampe. Ça doit être pour ça. Ok. Exploration de la maison. Eh, hey, de base, la maison, là, elle est toute noire. J'avais jamais remarqué. Oh! Beau. Ah, j'ai cru que je pourrais pas y aller. Comment dire? Il y a des toilettes partout. Dortoir. Quand j'étais jeune, j'ai dormi une fois dans un dortoir comme ça avec des lits superposés. Et on faisait une sortie scolaire et c'était trop bien. On faisait du canoë et quelque chose. Oh bah tiens, ici c'est vide. Est-ce que ça va être le cas aussi pour la pièce de gauche? Oh, ok. Oh. Tu peux aller aux toilettes sous la forme que tu as envie, en fait, ici. Hein. Le canapé est très mignon. Ok, on va se diriger vers la deuxième île. La deuxième et troisième île, c'est un peu thématique, du coup, ce sont des dessinatrices. Par où aller? Faut que je repasse par le champ de fleurs. Ok, là. Ok, attends. Ok, rampe. J'ai de la chance. Alors après, je sais pas, par là. Ah, je reconnais là, le petit ponton. Ça doit être vers là. Oui, c'est ça. Non! Ah! J'ai presque pas vu le petit espace. Ok, deuxième île, direction deuxième île. Deuxième île, nous sommes sur l'île Wild. Ouh, motif personnalisé. On va aller voir ça. Alors, petit tour sur le plan. Résident, Milady Morrigan. Il y a Pansy, Teddy, Patchy, Marilou, Kiki, Didi, Lico, Wolfgang, Stéphane et Irène. Oh, il a l'air d'y avoir un vrai travail sur le cours d'eau ici. Hein. Alors, déjà, attends, juste pour voir, là, ici, il y a plein de motifs sur le sol. Oh! Qui es-tu? Marilou, quel plaisir de te voir, quoique je suis pas sûre qu'on se soit déjà rencontrés. Oh. Attends, avant d'explorer par ici, je voulais voir les motifs perso. Bienvenue sur le portail des motifs perso. Oui, s'il te plaît.
connexion internet. Ah, c'est sympa là-bas, le pont il est un peu en biais. Tu sais, il est pas genre parfaitement vertical ou horizontal, il est en diagonale. Amour de serre, carrelage vintage et dans motif pro, docteur de peste. Quoi? Pourquoi de peste? Demoiselle Chardon, demoiselle des bois, demoiselle des prés, dame campagne et dame champêtre. Oh, tiens, pour l'épisode, je vais essayer dame campagne. Robe à manches longues. Cool. Attends, froid. Oh, il me reste pile une place. On écrase. Ok. Je vais enfiler ça tout de suite. Faire toute la visite avec ce motif. Oh, attends. C'est dans motif... attends. Vu qu'il y a une application qui s'est ajoutée, je suis perdue. Ok. Tous mes cosplays. Dame campagne. Portée. Ouh, classe! Ouh, c'est très joli. Ok. Bon, commençons. Le petit pont. Oh, elle est mignonne. Irène, je ne crois pas te connaître. Tu dois être une visiteuse venue d'ailleurs. J'espère que ton séjour sera agréable sur cette île de rêve, sa perlotte. Attends, je crois que j'aimerais bien faire une photo avec elle. Ce serait la photo de miniature. Non! Ah, ok. Oh! Attends, tu bouges trop. Oh, je ferme les yeux. Non! Reviens, s'il te plaît. Tu reviens? Ou alors tu tournes la tête au moins. Eh? Attends, c'est pareil qu'à faire le tour de la fontaine. Ok, si tu veux. Mais tu reviens. Mais reviens jusque là. Allez, sois sympa. Oh! J'hallucine! Eh oh! Non mais eh! Bon, c'est une coquine. Hein. Je prendrai une photo avec quelqu'un d'autre si c'est ça. Alors, le musée. Il y a beaucoup de motifs au sol. Hein. Un vrai travail sur les chemins. Ouh! Naturellement, je suis venue par là. Ah bah, c'est bien! C'est bien guidé. Oh, wanted. Rail. Oh, c'est bien vu là pour le petit train. Alors, comment est-ce que je navigue? Campsite. Donc le petit coin camping. Bon, je crois que c'est un cul-de-sac. Hein. Oh. Bon, on va remonter. Boutique. Oh. Alors. Ah, attends, ici tu descends pour. Oh. Attends. Je vais finir de regarder ce qu'il y a en haut. Genre ici, c'est chez quelqu'un. Chez Didi. Bon, on va faire un petit tour. Ah, je crois que dans un précédent épisode, j'ai déjà visité chez Didi. Il y avait un coquillage violet. Oui, c'est ça. Bon, bah. Donc ça, c'est cohérent, quoi. La déco au max des personnages, quand c'est pas les trois premiers que tu as eu dans le jeu, c'est éventuellement la même. Oh, c'est joli, là, ce qu'il y a par terre. Ça fait un peu comme de la dentelle. Oh, ok. Là-bas, c'est juste pour aller au Hongsen. Et après, je redescends. Je vais prendre le petit passage secret là. Ouh! Estampe, petit coin japonais. Ici. Ah, je voulais voir le panneau. Bon bah je ne sais pas chez qui c'est, mais ça a l'air mignon. Il y a la petite niche qui est en bleu. Du coup, tout est personnalisé en bleu. Oh, c'est Wolfgang! Oh, attends. Ça doit pas être ta déco au max, ça, si? Ça me paraît curieusement simple. Tiens, on va te parler. Ok,
Oh salut, comme chez toi. Tu peux même visiter si tu veux, chouchou. Ok. Ah bah tiens, lui, il va écrire. Alors soit il fait ses exercices de kanji là, tu vois, avec des cases. Soit si tu veux faire une rédaction. Oh, je pensais pas que tu pouvais zoomer sur tes pieds. Ok, alors du coup, je vais peut-être regarder sur la carte parce que je crois que ça y est, je suis perdue. Où sommes-nous? Ok. On va explorer par là, petit pont. Oh, wow, ce sol! En l'honneur de Kiki. Bon, on va voir chez Kiki. Je me demande. Oh! Sa déco est curieusement vive pour. Je sais pas pourquoi je pensais qu'avec un chat noir comme ça allait être plutôt sobre. La demeure est loin d'être un palace. C'est marrant cette table ronde. Enfin, avec des bords arrondis, je veux dire. Ok. Bon, allez, continuons l'exploration de l'île. Alors, ce panneau dit d'aller par là-bas, mais je vais aller en sens interdit. Oh. Ah, mais en fait, c'est pas un pont. Tu sais, ça fait un effet comme si c'était un pont, mais en fait, c'est juste des murs avec le sol. C'est rigolo. Il y a un petit stand. Oh. Eh, je pensais pas que tu pouvais poser un tapis ici. C'est un vrai tapis ou c'est un motif? Attends, je crois que je vais essayer. Non, c'est un motif, hein. Oh, j'ai un vrai doute. Oh, parce que sinon, moi, je vais essayer de poser un tapis, moi aussi, sur ma passerelle, là, mon ponton. Ok, on peut jouer. On se retrouve. Oh, il y a un beau tableau ici. Ok. Oh, c'est beau ici. Ah, pour un peu, tous les instruments seraient blancs. Il y a juste ça qui détonne. Quel luxe! La harpe blanche est super belle. Alors, est-ce que je peux passer? Non, je suis coincée. Ah, ah! Ah, mais c'est ça, c'est un motif, le tapis, là, parce que c'est le même que sur le ponton. Quel travail sur les motifs. Alors, du coup, là, on est revenu au centre. Ah, bah, c'est là où je voulais explorer au tout début. Oh, oulala. Labyrinthe. Cosy. Alors, ici on est chez Pansy. Est-ce qu'on va voir? J'ai déjà visité beaucoup de maisons. Mais on va peut-être voir. Je crois que j'ai jamais eu sa déco à elle. Après, on va peut-être aller voir la maison de Morgan. Oh! Elle est rigolote. Tu sais, ça me rappelle le petit cochon dans Ranma. Petit cochon noir. Bon, c'est quoi ce délire? Pourquoi tout le monde se trimballe avec un air chelou et nébuleux? Oyez. Oh, mais t'es peut-être un peu moins sympa que je l'aurais cru, hein. Alors, chez Morrigan, où est-ce que c'était? Attends, si j'arrive à trouver du premier coup, on y va, sinon c'est pas grave. Wouah, tous les plans! Raton laveur, c'est quoi ça? Oh ben, je lui demanderai en messagerie. C'est quoi le plan de bricolage raton laveur? Ah, je suis peut-être sur la bonne voie hein, pour trouver sa maison là. Attends, je suis peut-être pas si loin. Attends, faut que je traverse. Oh! Faut que je reprenne le pont hein, qui était en diagonale. Là. Musée et. Attends, comment je fais? Au secours! Comment je fais pour y aller? Ah, peut-être qu'il faut que je prenne cette rampe. Là-bas. Attends.
Je suppose que comme c'est en hauteur, sinon je peux pas y aller. Alors. Oh là là, j'étais passée par là tout à l'heure. J'étais tout près de sa maison et je l'avais pas vue. Ok. Une maison en gris et noir. Oh! Bah, c'est les motifs. Carrelage. Je sais plus ce que t'as mis. Carrelage élégant ou quelque chose comme ça. Alors, première pièce. Enfin, je veux dire, pièce du fond. Cuisine. Cuisine aménagée, hein. Alors, la pièce de droite. On parie, c'est la salle de bain. Est-ce que ça va être du carrelage partout? Ah, salle de bain, gagné! Alors, du coup, la pièce de gauche. Cuisine. Ouh, chic! Quelle ambiance! Alors, étage. Bon, étage, on va dire chambre à coucher. Bingo! Et du coup, comme c'est une grande chambre. Ah ouais! Et en fait, ça doit être chez toi, quoi. Tu vois, t'as ton ordinateur, une pile de livres et puis ta table à dessin. Et en plus, c'est pour faire du manga. Parce que c'est une feuille avec des marges, tu vois, qui sont préfaites, là. Excellent. Oh! Tiens. Hé! Hey! C'est quoi, c'est un storyboard? Cette pile de feuilles, là? Oh, j'hallucine! Dans ce détail! Vraiment, c'est une pièce de dessinatrice. Diplôme. Oh, trop bien! Oh! Elle est chouette, cette chambre. J'aime bien. Ah, et la Switch. Moi, j'ai pas la Switch Animal Crossing, j'ai la Switch classique. En vrai, je veux dire. Dans le jeu, j'ai pris la Switch Animal Crossing aussi. Sous-sol. Ouh, bibliothèque. Oh, squelette. Oh. Ah! Au secours. Ah, t'aimes bien les cheminées, hein, parce qu'il y en a souvent. Cool. Alors, c'est reparti. Du coup, on va se mettre en route pour aller vers notre troisième île. Si je retrouve mon chemin. Parce que du coup, là, je suis en hauteur, il faut que j'arrive à redescendre. Oh. Ah bah. Oh, bah, c'était pas si compliqué que ça. Jusque où? Oh, où suis-je? Attends. Faut pas que j'y aille au hasard. Ah bah oui, c'est bon. Je rejoins, je ne sais trop comment la place. Oh! Je veux dire, il mange, mais il y a aussi une machine à écrire. Attends, où est la place? Ah, c'est là-bas. Il y a plein de tout petits chemins. Oui, j'ai trouvé mon chemin! Bon, à vrai dire, je suis un peu fatiguée parce que là, j'ai tourné plusieurs épisodes d'affilée aujourd'hui, donc je pense que je vais m'arrêter là. Ce sera exceptionnellement un épisode où j'aurai visité juste deux îles. Et du coup, ben, je réserve la prochaine île de dessinatrice pour le prochain épisode où je visite vos îles en rêve. Voilà mes sakulas, j'espère que cet épisode vous a plu. Bye bye!